of Kingdoms. Youp, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rise Off en compagnie de Takido. Salut. Aujourd'hui, une belle news quand même, de nouveaux commandants, et pas seulement deux nouveaux commandants, deux nouveaux commandants qui vont être bientôt disponibles. Je suis trop fort en calcul, Takido. Et on va voir tout de suite qui on va nous proposer. Alors, le premier commandant ou la première commandante, comme on veut, c'est The Fled. À vos souhaits. Alors, bonne chance pour la prononciation, on va voir si Takido y arrive. Averfred. C'est dur, hein, c'est vraiment dur à dire. Donc la reine des Merciens, en fait. Donc c'est un petit état qu'elle tenait, c'est une ancienne reine d'Angleterre, visiblement. Je vous proposerai d'ailleurs d'aller voir sur Wikipédia l'historique de ce personnage. Ici présent. La totalité de l'historique, voilà, le personnage, sa vie, son combat, hein, en classique. Voilà, je vous laisserai jeter un œil dessus. Voilà, je ne vais pas m'attarder parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Alors, que va-t-on pouvoir dire de ce nouveau commandant? Alors, est-ce que ça va être une spécialiste de l'archerie? C'est possible, on la voit avec un arc, mais on a déjà eu la mauvaise surprise avec Genghis Khan. Enfin, la mauvaise, non, parce que il est très bien comme ça en jeu. Mais on n'est pas sûr vraiment que ce soit une spé archerie. Elle a une épée aussi à la taille, à voir donc très bientôt. Sinon, Takido, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Bah, elle a un loup mort sur les épaules. Effectivement, elle a un loup crevé sur les épaules. C'est pas faux, pauvre bête. Bon, à part ça, voilà, rien d'extraordinaire. Enfin, si, c'est quand même un commandant supplémentaire. On aura plus d'informations, je l'espère, bientôt, grâce à l'Elise Games. Et surtout, la façon de pouvoir la looter. Parce que je vous le rappelle, on a Constantin Ier qui est toujours un peu bloqué dans les cartons. Alors, il est arrivé avec le visuel, il est implémenté dans le jeu, mais on ne peut pas l'avoir encore pour l'instant. Si je fais erreur, n'hésitez pas à me le dire. Second commandant, que l'on va voir tout de suite, il s'agit de... Alexandre le Grand, ça c'est du gros commandant bien lourd. Alors idem pour lui, pour l'instant on ne sait pas s'il sera spé cavalerie, infanterie ou autre chose. Bon, autre chose ça m'étonnerait. Bon, visiblement par rapport à ses états de service, on va dire que ce serait plus un spé infanterie. Derrière on voit la statue avec le cheval, mais j'y crois pas trop. Il y a déjà beaucoup de spé cavalerie, je vois pas trop l'utilité d'en mettre encore un autre maintenant. Takido, peut-être un commentaire sur Alexandre? Il a le bouclier de Captain America un peu. Non, pas un peu. Il a vraiment le bouclier de Captain America. Là. Ils ont abusé quand même dessus. C'est vrai. Il a le bouclier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Pas grand-chose. Là aussi, on attendra les informations de Lilith Games sur ce commandant et la façon de pouvoir l'avoir. Ça serait bien aussi. Idem pour Alexandre le Grand. Si vous voulez plus de détails sur le personnage historique, un petit tour sur Wikipédia pour trouver toutes les informations nécessaires. Alors là on voit bien par contre par rapport à LFFZ que l'historique est quand même beaucoup plus balèze. Il a environ on va dire 20 fois la page de l'autre personnage. Voilà, c'est pareil, même en accéléré, vous voyez, c'est long quand même. Voilà, je vous laisserai jeter un coup d'œil aussi, parce que évidemment il est connu de par son nom, mais il y a des petits détails sympas aussi dans son histoire. Voilà, j'espère que cette petite news, cette grosse news, vous aura fait plaisir. Et puis on vous retrouve très bientôt. On va mettre en place d'ailleurs un système de live, parce qu'on a eu des retours assez positifs sur la volonté de beaucoup de personnes qui souhaitaient avoir les guerres, et surtout évidemment du Lost Kingdom en direct. Donc là, on met tout en place et on va vous faire ça très très vite. Allez, je vous dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Of Kingdoms.